Nicolas anime Point de Rencontre et nous donne rendez-vous avec ces gens d'ailleurs devenus des gens d'ici dans une France multicolore, mardi à 20h30. Non, c'est pas mon retour, c'est juste une petite visite pour un sujet qui me préoccupe. Si on ne veut pas que le monde explose rapidement, il faudrait peut-être changer les mentalités. Les Turcs contre les Arméniens, les Serbes contre les Albanais, les musulmans contre les Hindous. C'est les guerres de clochers, les guerres de races, les guerres de couleurs, les guerres de religion. Vous me direz, en France, ça va plutôt mieux, ça va plutôt bien. Eh bien, on va essayer de voir ça d'un petit peu plus près, avec des invités nombreux, avec des chansons. Ça sera pas triste. Et je crois qu'on va bien discuter. Sur FR3, l'info met le monde à votre portée, du matin au soir et tous les jours de la semaine. Anne de Coudenove présente le 12h45. Didier Chaumont en alternance avec Catherine Matoche, les flashs. Paul Amar anime le 19-20. Marc Hautement présente Soir 3. Éric Cachard assure toute la formation du week-end. Pour faire face à l'information, les nouveaux visages d'FR3. Bonsoir. Les fastes de la belle époque, le Montmartre du début du siècle, c'est ce que va vous faire revivre dans quelques instants Images du temps avec French Cancan, ce merveilleux film de Jean Renoir, réalisé en 1954 avec une distribution prestigieuse telle que Jean Gabin, Michel Piccoli, qui avait d'ailleurs là un tout petit rôle, Françoise Arnoux, Maria Félix, Philippe Klepp, mais aussi Patachou, Edith Piaf. French Cancan, à voir ou à revoir absolument. Ensuite, 22h25, les dernières actualités du soir, le journal Soir 3 présenté par Marc Hautement, suivi de la météo. Et à 22h45, Tension, un rendez-vous en direct préparé par Pierre-André Boutan, Marie-Odile Monchicourt et Dominique Rabourdin. À la suite du film French Cancan, dans lequel Jean Renoir rend hommage à son père Auguste Renoir, mais aussi au musical et à toute la peinture impressionniste, eh bien ce deuxième numéro de Tension vous proposera pour le thème suivant de l'impressionnisme à l'art contemporain et sera entièrement consacré aux arts plastiques. Enfin, à 23h35, Océanique dressera ce soir le portrait du sculpteur Étienne Martin, élu en 1971 à l'Académie des Beaux-Arts, Arcanes et Demeures, un document exceptionnel de Daniel Lecomte. Et puis, tout se terminera en musique avec, à minuit 25, Carnet de notes. Vous entendrez le pianiste François Esser vous interpréter Fantasia Baetica de Manuel de Falla. Mais pour ce début de soirée, place au French Cancan et je suis sûre que vous allez passer un très 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 bon moment avec nous sur FR3. J'ai une saveur parfumée. Je t'invite à goûter au thé parfumé. Plaisir en voûtant du thé éléphant. Thé parfumé éléphant, mettez-vous au parfum. Si l'échéance de votre assurance auto approche, demandez à l'agent des assurances mutuelles du Mans de votre ville le tarif de l'assurance qui se paie au kilomètre. C'est bleu comme évasion, bleu comme agence de voyage, comme compagnie aérienne, article de voyage. C'est bleu comme location d'automobile, bleu comme hôtel, maillot de bain, piscine, matériel de piscine. C'est bleu comme planche à voile, comme restaurant, comme plongée, bateau, location de bateau. C'est bleu et c'est dans les pages jaunes. Les pages jaunes, elles ont toutes les couleurs de la vie. Annuaire de France Télécom, vous renseignez par tous les moyens. Cet homme a maîtrisé les engins les plus puissants du monde. Naturellement, quand cet homme a rendez-vous avec la Lune, il y va en Citroën BX. Cet homme, vous ne le connaissez pas, mais vous connaissez ses pieds. C'est Buzz Aldrin, l'homme qui a marché sur la Lune. Citroën BX, demandez-lui la Lune. Citroën, la route maîtrisée. Danone a créé Bio, le Danone. Au Bifidus actif. Bio de Danone, ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur.
vie est belle. Et la vie est brillante et pleine de bonnes surprises. À vie diamant, la vie est belle. Une petite baisse de forme, savez-vous avec quoi ça se traite? Avec la rose corbine, comme ça. 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 À croquer ou effervescente, la rose corbine vitamine C, un petit geste pour la grande forme. Ceci est un médicament. Ceux qui aiment Daniel, se lèvent. On se lève tous pour Daniel, Daniel, Daniel. Tout le monde se lève pour Daniel de Danone. Découvrez de nouveaux horizons. Le PEP Performance, le PEP Placement, le PEP Prévoyance. Des rendements garantis, des taux élevés, sans impôts. Rencontrez l'ami financier de votre caisse d'épargne Écureuil. Le vrai bonheur des fruits. Désolée, Isabelle n'est pas à son bureau. Vous voulez la rappeler plus? Prendre une pause. Je crains qu'elle est allée chez moi. Une pause très chocolat. Écoutez, je regrette, elle est actuellement plongée dans une montagne de dossiers qui est le parfum de mon linge. Au bon lait des Alpes. C'est impossible, Isabelle est en conférence, une conférence au sommet. Une pause pralinée ou aux céréales. Lis la pause. Lis la pause. Tellement chocolat. Samedi 10 février, au loto, super cagnotte de la Saint-Valentin. 33 millions pour vous, les gagnants du premier rang. N'oubliez pas, demain, dernière validation.